La seconde étape de sélection de Miss France 2023 vient d'avoir lieu en direct ce samedi sur TF1. De 15 candidates demi-finalistes, elles ne sont plus que 5 finalistes. Voici les heureuses élues. Dans moins d'une heure, les téléspectateurs de TF1 connaîtront en direct le nom de Miss France 2023 qui va succéder à Diane Lair. Plus tôt dans la soirée, après la drôle de surprise de Jean-Pierre Foucault et les adieux très émouvants de Sylvie Tellier, tous deux avaient dans un premier temps annoncé le nom des 15 candidates demi-finalistes sélectionnées sur les 30 en compétition. Mais désormais, elles ne sont plus que 5 à prétendre à la couronne. Une sélection à 50-50e d'entre le vote du public et celui du jury, présidée cette année par Francis Huster et marquée par un abandon de dernière minute. Découvrez leur nom et leur visage grâce à Télé Loisirs. Miss France 2023, voici les 5 candidates finalistes après de nouveaux tableaux autour du thème du cinéma, Jean-Pierre Foucault, Sylvie Tellier et Sinody Fabre, Miss France 2005 et nouvelle directrice du concours, a ainsi dévoilé peu après minuit le nom des 5 heureuses élues à prétendre à la couronne de Miss France 2023. Découvrez leur nom et leur biographie ci-dessous, ainsi que leur visage ci-dessus ou via notre diaporama, Miss Auvergne, 5 choses à savoir sur Alicia Leigh, Miss Franche-Comté, 5 choses à savoir sur Marion Navarro, Miss Guadeloupe, 5 choses à savoir sur Inodira Ampio, Miss Martinique, 5 choses à savoir sur Axel René, Miss Nord-Pas-de-Calais, 5 choses à savoir sur Agathe Coë Miss France 2023, comment voter pour votre Miss favorite? Désormais, pour cette dernière étape, le public est seul à décider qui sera élu Miss France 2023 parmi ses 5 ultimes candidates régionales. Pour information, voici quel était le top 3 des journalistes de la rédaction de Télé Loisirs, Miss Guadeloupe 2022, Inodira Ampio, Miss Nord-Pas-de-Calais 2022, Agathe Coë, et Miss Côte d'Azur 2022, Flavie Barla. Quant à nos internautes, ils voulaient voir sacrer Agathe Coë, qui n'a aucun lien de parenté avec l'animateur Sébastien Coë, juste devant Inodira Ampio, Miss Guadeloupe 2022. Alors qui va succéder à Diane Lair? Réponse dans quelques minutes. Comme à chaque édition, Thierry Beaumann indiquera aux téléspectateurs la démarche à suivre pour pouvoir voter par téléphone ou par SMS. L'année du renouveau pour Miss France 2023, outre l'honneur de représenter la France à travers le monde et dans de multiples déplacements à venir, l'heureuse élue sera également couverte de cadeaux. Voitures, bijoux, voyages. Découvrez la longue liste de présents offerts à Miss France 2023 grâce à Télé Loisirs. Enfin, Miss France 2023 entraînera une toute nouvelle organisation au sein de la société Miss France avec le départ de Sylvie Tellier, remplacée par Sinody Fabre à la tête du concours alors qu'Alexia Laroche-Joubert dirige, elle, la société. Des mouvements qui, pour rappel, ont eu lieu sur fond de tension. À lire aussi Miss France 2023, à quelle heure va être sacrée la gagnante ?